Yo les amis, on se retrouve pour le deuxième jour de chantier. Donc il fait super beau. Donc voilà, donc là j'ai cassé là hier. J'ai commencé un petit peu là mais j'ai pas filmé parce qu'il faisait nuit. Je vais vous montrer de plus près. Donc là j'ai tout cassé. Et là on va faire une petite trempe en bois. Et là en fait je comptais faire un bac en résine mais en fait du coup faut que j'enlève tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a derrière, toutes les feuilles. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, comme j'avais commencé, je vais vous préciser ce que je vais faire. Donc du coup, en fait, je vais enlever toutes les feuilles que j'avais ratissées, les bouts de bois qu'il y avait là, je vais tout enlever. Donc là, les bouts de bois, je les récupère, je les mets là. Pour on sait jamais, ça peut toujours servir. Toutes les feuilles qui sont là, en fait, je vais les foutre là, sur le côté, pour ce qu'on s'en réutilise après. Pour plus tard, vous verrez. Donc voilà, je vous laisse avec le timelapse. Donc c'est parti. Je suis mort. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est un time lapse. Donc là, j'ai enlevé tout le tas de feuilles qu'il y avait. J'ai enlevé les taches de palette qu'il y avait là. Faudra que j'enlève la terre plus tard là qu'il y a derrière. Ensuite, ici, en fait, les poteaux là, je les ai déplacés, je les ai un petit peu éloignés pour faire un truc plat. Donc là, ça fait un petit étage, vous voyez. Comme ça, je vais essayer d'aplatir. Pour que le U soit bien droit, pour pas qu'il penche sur la gauche. Et voilà, j'ai enlevé tout ça de branches à l'intérieur. Attendez, je m'éloigne un peu. J'ai enlevé tout ça de branches qu'il y avait dessous, des petites planches et tout. Et j'ai enlevé pas mal de palettes, pas mal de grosses planches qu'on pourra se réutiliser par la suite. Yo les gars, troisième jour. Donc du coup, j'ai fait ça hier du coup. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait là. Donc là je vais aplatir en fait pour que ça soit vraiment droit. Et là je vais essayer d'enlever la terre qu'il y a derrière pour pouvoir enlever les palettes et pareil pour que ça soit droit. Donc c'est parti, je vous fais un petit timelapse. Donc là les gars, ça se voit pas trop mais en fait ici là c'est plus haut que là. Donc là en fait la terre je vais l'étaler pour que ça soit vraiment plat, pour que le U il penche pas.
Comme vous voyez, c'est plutôt droit, pas mal, hein. Donc après, il y aura ça à remettre droit. Ici, là, à remettre droit. Donc là, j'ai un petit peu cassé la box, mais c'est pas grave, on va tout refaire. Et regardez le bordel que j'ai récupéré en tout. Il y a tout ça, là, toutes ces planches. J'en ai rajouté un petit peu, et puis là, il y a des palettes et tout ça. Donc voilà. Yo les amis, quatrième jour je crois. Je me suis fait déplâtrer, voilà, donc je mets une petite attelle pour pas me faire mal. Parce que je peux vraiment pas forcer dessus, je peux pas trop porter de poids. On va quand même travailler, on va bosser un petit peu là dehors. Donc il nous reste juste à aplatir le côté qu'il y a là. Juste ça à aplatir. Je vais essayer de trouver des bouts de bois et puis voilà, donc je vous laisse comme d'habitude avec le timelapse. Donc c'est parti. Thank you.
essayer d'aplatir au maximum. Donc c'est à peu près droit, faudra rajouter quelques brouettes de terre pour que ce soit vraiment plat. Et puis ça sera fini. Sixième jour, donc on se retrouve pour finir la box, enfin le pas de la box. Genre c'est pas très très droit, donc on va récupérer toutes ces feuilles mortes et on va les foutre dessus pour que ça soit plat, droit. Parce que j'ai commandé 80 palettes que je reçois dans 2 jours. Donc voilà, donc c'est parti. La deuxième partie de la vidéo.